Le prédicateur de la prière du vendredi de Téhéran, l'ayatollah Mohammad Emami Khachani, a déclaré « Au lieu de lutter contre l'injustice, les organisations internationales entreprennent des démarches contre les innocents, un comportement qui désespère l'humanité », faisant allusion aux évolutions dans la région, en particulier la situation à Bahreïn. L'ayatollah Emami Khachani a ajouté « Les musulmans se trouvent en pleine épreuve pour voir à quel point ils sont prêts à aider les innocents dans le monde et à quel point ils pensent à eux-mêmes. Le devoir du monde de l'islam est d'attendre la venue de l'imam du temps et c'est dans cette situation que les mouvements seront renforcés et le désespoir des hommes diminuera et Dieu protège les innocents », a ajouté l'ayatollah Emami Khachani, soulignant que les ulémas des différentes religions doivent se réveiller pour voir le désordre créé par le sionisme et l'arrogance américaine. Le prédicateur de la prière du vendredi de Téhéran a déclaré « Ils doivent prendre en considération les cris revendiquant la justice, car ces cris renforcent la vague de l'éveil islamique ». De plus, dans une autre partie de ses sermons, l'ayatollah Emami Khachani est revenu sur la deuxième session des idées stratégiques en Iran, en présence du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable ayatollah Khamenei, et a souligné « Il faut que la définition de la justice basée sur la vision portée par l'islam sur le monde soit loin des critiques interprétées et détaillées, et que ses aspects pratiques aussi soient pris en considération ».